Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, m'espérez-nous en forme. Jeudi, c'est dimanche 27 août 2023. Et yon dimanche, côté que, en pile famille, dans le moment là, en pile zami, gen kod mari ren yo. En pile maman, en pile papa, gen kod mari ceinture yo. Et à cause gros drame qui passait hier, dans Canaran, avec fidèle l'église, pasteur Marco yo. Hier, sous tout réseau, hier matin, il aux environs de 10h, 11h, eh bien, pasteur Marco a décidé de prendre la direction Canaran avec un groupe fidèle, il a pral déchouqué, il a délogé bandit. L'information tombée, les nouvelles arrivées, il y a pile monde, pile haïtien, bravo, pile monde content, parce que ce mouvement Bois-Calais, pile monde mettait dans la tête qui pral recommencer. Côté population civile, là, pral pran justice, pral pran revanche sous bandit. Eh bien, dans l'après-midi, c'est drame ça qui pral rive dans oreilles nous. C'est mauvaise nouvelle qui pral rive sous téléphone nous. C'est massacre, c'est torture, c'est séquestration qui pral rive sous nous. Le fait que bandit Canaran yo qui gagne Jeff Larose qui nan tête li. Eh bien, ils ont décidé de massacrer un paquet de compatriotes fraîcheux. En plus, on a posé la question, à qui incombe la responsabilité? C'est qui est-ce qui est responsable de ce qui passé hier? Il y a des gens qui mettent Chahel en sous-dos, Pasteur Marco. Il y a des gens qui mettent Chahel en sous-dos, pouvoir l'État, sous-dos gouvernement Ariel. Il y a des gens qui mettent Chahel en sous-dos, bandit, sous-dos Jeff Canara, tout criminel pareil. Eh bien, je dis là, moi-même, faut que moi baille opinion, position sur ce qui passe hier. Ce n'est pas deux personnes qui perdent la vie. Il y a des gens qui disent 5 personnes. Hier soir, bien tard, il était 11h30. Il y a des vidéos qui arrivent. Je me suis regardé dans la vidéo. Il y a plus que 12 personnes qui couchaient à terre tout long. Donc, nous avons dit son carnage qui fait dans le canal. Mais, avant même nous rentrer dans l'émission pour aujourd'hui, parce que il y a un revirement qui fait dans le dossier force multinationale, dans le dossier Kenya, nous avons bien pour nous partager quelques informations avec vous. Il faut que nous avons gagné un invité spécial dans l'émission aujourd'hui, côté que nous allons parler de l'armée d'Haïti, de responsabilité militaire, de soldats, ou état-major, la meilleure gagné dans le dossier insécurité dans le pays. Et vendredi passé, moi t'ai fait un appel, m'ai lancé un appel côté que nous besoin et 10 moun, 10 amis, 10 compatriotes pour nous commencer pour nous tamen projet rentrer l'école là. Projet objectif là c'est arriver supporter ti moun qui pral l'école yo. Ba yo acheter équipement pour yo, acheter valise pour yo, acheter livre pour yo, acheter cahier avec l'autre fourniture classique qui a besoin pour yo rentrer l'école là. Jusqu'à présent, jusqu'à dans moment là, il y a 2 amis qui fait promesse, il est dans stade promesse, il va atterrir mais il y a 2 monde. Donc si vous voulez projet à commencer, il faut que vous participez, si vous voulez projet à et réaliser li abouti, faut qu'on participe, c'est mais en pile chay palou. Et me toujours dit, c'est pas bay en pile lan qui dit en gros bagay, mais c'est volonté ou manifester pour aider, pour supporter. Bay piti pachi, c'est pas bay même nan qui dit qui choye. Si nous voulons aider ti moun yo, nous voulons aider parents yo, nous voulons mettre éducation pour nous suspendre, applaudir, battre bravo pour moun ka fè radot, pour moun ka fè ce qui mène pays en côté li là. Eh bien, c'est éducation pour nous supporter. Donc, vous pouvez toujours aller écrire dans le numéro d'émission 3896 3819 pour Yannick. Mais comment vous voulez supporter le projet pour arriver, voyez Timounio l'école, acheter matériel, acheter livre, acheter cahier, acheter valise pour aller l'école en air. Donc, même en temps de guerre, éducation, l'idéalité, yon priorité. Et, je vais partager avec vous pour nous commencer à analyser sur ce qui s'est passé hier. Et dans l'église, avec fidèle l'église, Pasteur Marco yo. Eh bien, genye yon vidéo, yon prêche que Pasteur Marco li tap bay avant que yon déplace, avant que yon quitte l'église avec fidèle yo, côté que. Et Pasteur a li tap motive fidèle yo, tap motive fidèle yo, et que avec n'importe sa yon renomme yo comme zam, et en parlant de bout de bâton, en parlant de
gros coco macaque en parlant de fouchette, il y a monde qui était à la fouchette, fouchette à l'encontre avec bandi la tout non épée etc. Donc l'important pour me faire entendre tout d'abord motivation pasteur Marco Marcorel t'a bail fidèle yo avant que yo déplacer quitter l'église et quitter l'église pour yo prendre direction canal. On entendait et message pasteur Marco. Qui va nous parler? Ça ne va pas faire canard. Nous va chercher bon. Tout le monde, ce métier bandit, il apprend, il est mauvais, mais. Métier. N'a provoqué. On dit canard tête droite. Canard tête droite. Canard tête droite. Et avant notre canaran, il faut faire un petit passé, l'île à voir, pour nettoyer l'île à voir. La paix, mon Dieu, on a nettoyé l'île à voir, hein? Pantalon légal nan dè mè dami yo parce que c'est moi qui dis yo mettre mes pantalons. Eh on dit à la guerre comme à la guerre. Les mêmes ont dit à la guerre comme à la guerre. Qu'est-ce qu'on annonce justement? Moi, Jeff commence à demander pardon. Hein? Jeff commence à demander pardon. On dit Jeff la lose. Bon, fonti kapé pasteur là. Et pasteur a gon fidèle qui a parlé à pasteur à nos oreilles. Et puis, pasteur a vint bote bonne nouvelle. Jeff commence à demander pardon. Ok, Jeff commence à demander pardon. Là, songez bien, Jeff commence à demander pardon. On va continuer. Je demande à tout le monde. Malé à un monde qui même frappe deux capots de machine. La paix, mon Dieu. Malé à un monde qui attaque bien un citoyen. La paix, mon Dieu. Nous tous connaissons nos débat. La paix, mon Dieu. La paix, mon Dieu. Et ouais, ma passé nous l'autre ça. Depuis nous t'avons un monde dans foule là. Qui voit un wash sur une machine, bal bracalé. Li pas avec nous. La paix, mon Dieu. C'est infiltration lié. Li pas avec nous. Bal salmé. Est-ce que nous donnez samedi? Ouais, d'où? N'a pas dans l'arrière, n'a pas marché paisiblement. La paix, mon Dieu. N'a pas marché bien pour ne pas une machine passer. Nous ne pouvons pas bloquer la circulation parce que nous comptons côté nous pour aller. Nous comptons sous la haie, c'est là nous allons bloquer nous. Nous comptons sous la haie. Et, m'a demandé, tout le monde qui va la même, gain respect pour la police. La paix, mon Dieu. La paix, mon Dieu, c'est institution nous yon, c'est nous-mêmes qui pour valoriser. La paix, mon Dieu, c'est pas la police qui parle, c'est Ariel qui parle, c'est l'ambassade américaine qui parle, c'est la France qui parle, c'est Canada qui parle, la police pas grand rien avec nous. La paix, mon Dieu. La paix, mon Dieu. Et ouais, même si on t'a voué au bas nos gaz, nous pas gourmand avec eux, n'a fait l'autre route en non, pour n'a le côté de Braléa. On dit tête droite canaran. Nous pouvons passer par là, jeune Bralé. Bien. Et l'âme s'est fait, tendez et gardez, et prêche, motivation, message motivation, que pasteur Marcorel Zidor, qui a dirigé l'église évangélique. Piscine Bethesda. Pile moun konnen le sou nan pasteur Marco, et bien hier, yo te pran et décision, yo te pran et toute disposition nécessaire pour yo te aller Canaran
pour yo al chercher bandi pour al traquer bandi. Et dernier article qui rive joine moi là, li fait état de 15 moun qui tombé en babal, de 15 moun bandi canarin, yo bandi Jeff Laozio yo assassiné et 15 fidèles l'église pasteur Marco Kenche Cherubin. Mais gen not information qui a circulé côté que gen fidèle qui était al caché dans shelter, gen qui était rentré dans caille etc., que bandi canarin yo mette du feu dans shelter, mette du feu dans caille que moun yo était al caché. Jout nan bon a parlé à la, yo pa dénombre, yo pa mette moun sa yo nan lis moun ki victime nan lis moun ki perdu la vie yo. Mgen impression c'est pendant semaine nan la, c'est au cours de semaine nan, et le fami victime yo, proche victime yo, wè moun sa yo pa rentre, yo pral commencer prendre micro la presse, et le sa n'ap konnen définitivement bilan, c'est ki quantité moun ki tombe ki victime. Déjà faut moi di nous moi-même ça c'est point de vue analyse pas de situation parce que Marco son monde peut-être qui t'a gagné yon bonne volonté qui anime bonne volonté dans qui sens et puisque 23 24 avril passé moun canapé vers moun début c'était décidé camper contre bandi yo t'a initié mouvement bois calé qui t'a porté résultat. Eh bien, à travers message à véhiculer côté que li a encouragé fidèle yo prend direction canarin peut-être qu'il te mette dans tête li et que yo a arrivé à atteindre bandi yo a arrivé déloger bandi yo a arrivé bay bandi yo bois cali. Tout moun wè visiblement pasteur Marco gon bonne volonté qui anime l. Parce que si li te rive canarin c'est fidèle yo qui t'est arrivé bay bandi bois calé monsieur que matin là pile moun t'a bat bravo pile moun t'a content yo t'a dou pasteur Marco li marqué point mais malheureusement pasteur Marco peut-être ça le met dans tête li an c'est pas lui même réalité à bay pasteur Marco gen pile moun qui va partager message sur réseau que bandi tire sous li pas percer il pas prend balle. Mais faut moins dire ou gen pile fidèle qui tombe, gen pile moun ki victime. Et gen des séries de moun nan déclaration yo fidèle qui dit que pasteur a te ba yo des séries de bagay pou yo maintenant poche yo pou yo pa pran bal etc. Pasteur mon côté font travail psychologique. Li te font travail nan brain moun yo nan l'esprit moun yo que et s'il prie avec yo, s'il manye yo, s'il touche yo, s'il ba yon bagay mette nan poche yo, mari yon kote nan kò yo, ke yo pa pense bandi canarin yo, pa prive aten yo, bal pa prive aten yo. Et c'est yon de raison peut-être qui anime moun yo, qui pousse moun yo, suiv li. Parce que li évident, tout jounen ap tande nan tout mikò la presse, sou tout réseau, que bandi canarin yo. Gen gros am fon fwa, gen des unités spécialisées dans la police que bandi yo rive repousser soit aller soit tomber soit courir blindé aller blindé boule yo prend blindé yo boule. Donc quelque part si moun yo pasteur a pas de faire quoi pasteur a pas on comprend psychologiquement s'il pas de faire travail psychologique dans mental yo dans tête dans cerveau yo pas bon moun qui t'a pral prendre chance pour dire que ou pral aller canarin ou pral pote tête ou aller bay bandi. Mais kounye a, gen pile moun k'ap cheche qui est qui responsable carnage massacre qui fait hier dans canarin sous fidèle l'église pasteur Marco sous Cherubin. Na commencement vidéo hein, si ou regardé dans image ça yo avec moi avant même que moun yo déplacé te gagné agent Bessap. Te gen policier avec yo et gen information qui dit te gen et soldat la médaille bon plus ouais agent Bessap moun ki avec uniforme Bessap mais gen moun ki dit te gen soldat la médaille etc qui te accompagné. Ça vous le comprendre c'est que te gen en présence la police qui te assisté pasteur Marco avec fidèle yo. Jouk nan ki point présence la police santé yé. Non ki point policier yo agent Bessap yo militaire yo te rive avec population avec foule c'est la grande question et nous ta remet pasteur Marco pour intervenir pour faire lumière sur dossier pour bay tout détail non ki point
agent Bessap, yon ki pou la police te rive avec yon. Kounye ya, question pour poser tête ou même lors jouen une vidéo massacre kanal ça qui fait sous moun yo qui fait sous fidèle ça yo en pile moun perdu la vie en pile moun tombé c'est qui responsable c'est qui position et qui ça l'état qui ça gouvernement vle prendre comme décision par rapport avec situation qui passé hier dans Kadangan parce que monsieur que toutes les vidéos a circulé les côtés que pasteur Marco décide de prendre direction Canaran monsieur que j'en ai un paquet petit chien chaud qui toujours a supporté pouvoir yel l'on paquet petit tout un paquet moun qui l'a pour faire tout toute sorte di sou réseau a toujours courir pote la lè monsieur que faut que yo te relayé à ministre justice à déjà la police faut que yo te relayé avec ministre intérieur faut que te relayé avec premier ministre Ariel Henry mais qui décision groupe moun prend pour yo aller Canaran avec roche avec bouteille avec bout de bâton avec fouchette avec couteau parce que courir sous bandier yo pral tourner épée y a tourner zam etc. pas personne pas prendre balle si nous te bon l'état qui responsable si nous te gen des dirigeants qui responsable sacrivé hier là canage massacre que nèg Canaran yo fait sous population sous fidèle l'église pasteur Marco yo pas ta fait li pas ta fait pour la simple et bonne raison dans le départ depuis le pasteur a te décidé prendre route li la voie prendre route aux Amber côté nèg Canaran yo t'a frappé prend route prend destination mettez dans tête pour yo faire zone nan nous t'a gagné un groupe moun qui t'a dit pasteur décision prend initiative ou prend pour montrer que pare pour goumer contre insécurité en contre gang contre bandits sont très bonne idée mais qui ça qui risque arriver effectivement puisque pas de moun qui te décide de camper pour dire pasteur mais qui ça qui pare pour rivel parce que autorité l'état ça yo yo plus envie ouais canal ça couler oui pour justifier toute décision y a pour yo prendre. Donc, ça qui fait hier là, qui a soupensé l'arranger? Qui a soupensé l'y arranger? M'a vin de douane bandi yo. Parce que bandi yo m'a privé sou. M'a vin de douane gang Canaran yo. Parce que nous connaissons déjà ces gang yo. C'est bandi yo. C'est pas la première fois y'a touye y'a massacré. C'est pas la première fois y'a agi en toute impunité. Nous pas jamais gen aucun dirigeant qui campe qui dit policier mouri et. Yo kidnappé docteur, yo kidnappé infirmier, yo touye autorité, etc. Yo touye policier, yo touye avocat, yo fè ceci, yo fè cela. Pas jamais gen aucune autorité dans l'État. Pas jamais gen aucun monde qui prend aucune décision pour dire yo pral traquer, yo pral déloger bandi yo. Donc, réalité, nous connaissons, nous vivons avec elle chaque jour. Nous vivons avec elle parce que nous connaissons. Si nous passons Matisse là, on bagay rive nous. C'est nous rive. Ariel a dit yo pas de voye nous. Moun sa yo ki tombe ki victime yon la, li range koze gouvernement, li range koze Ariel. Li nan intérêt pour voir sa passe yon la. Donc ou pense que, nèg sa yo yo pral jam arrange yo pou yo pral aucune disposition, pou yo pral aucune décision pour déloger gang nan bon man a pale yon la. Sinon, ou est sa krive yon la? Depuis hier soir, Ariel Henry tap gen tan ba yon point de presse. Déjà la police française met tab getan ba un point de presse. Gagné agent Bessap qui était là, moun qui n'ont tête Bessap la tab getan ba un point de presse pour expliquer en détail présence policier qui était là. Mais pour qui raison était là, agent Bessap qui était là, mais pour qui raison était là et Ariel, li tab annoncé la République gagné décision, gagné disposition qui pral prend pour déloger bandi Canaran yo. Pour qui ça des pièces soit nous parole. Pour qui ça des pièces soit ces familles victimes qui continuent à faire SOS passer, qui continuent à crier, qui continuent à marrer rien à code, qui continuent à dire faire message passer pour yo. Petit yo t'es sorti, frère yo t'es sorti, cousin yo t'es sorti, il pas rentrer. Est-ce que yo parmi victimes etc. Comprenez bien. Jodi an là, si n'a cherché un véritable responsable. Faut nous faire dans l'ordre chronologique. Faut nous faire par A plus B pour nous chercher moun qui responsable. Nous connaissons nèg Canaran, c'est criminel, c'est bandi yo déjà. Et c'est job l'état pour déloger yo. Si nous faisons révolution que nous faisons véritable révolution. Et moi même m'a dit nous révolution pas faite ni avec
parole et travail psychologique ça yo que moi des séries de moun a fait sous peuple révolution parfaite ni avec la foi ou besoin la foi persévérance que ou bien en bataille mais c'est pas la foi que dit tout à Jésus hein, ou bien la gè bagay la dans le royaume révolution parfaite à bout de bâton à couteau à croche nous pas cal bataille avec un groupe nèg qui bien armé à gros âme fond froid dans mais moi même ça me t'a regarder dans vidéo c'est comme si nèg yo c'est film y a monté nèg la li avec gros M4 li dans main li nèg la li avec gros âme fond froid dans main li et puis téléphone mi avec on main la filmer la pouvè bal sou moun la filmer yo abdou mi yo la yo fait à gauche yo fait à droite et y a marché sou moun yo avec gros âme fond froid moun yo moun sa yo ki te gen bout bâton nan men yo bout bâton yo pat ka repousser bandi yo moun sa yo ki te gen roche nan men yo roche pa tout nou zam jounen jodi an nou gen groupe nèg ak zam l'état founi yo zam politisyen founi yo zam secteur privé a founi yo zam donc si nou vle fon révolution nou vle menen yon véritable bataille kote ke population décide met pied la terre faut nou fèl dans les règles faut nou fèl dans les normes nèg ak zam swa bata avec li faut konn comment pour rive sou li et y a tout ça qui rive nan Canaran avec Fidel Pasteur Marco yo si PNH pa ka rive gen contrôle quelques zones quelques axes quelques points nan Canaran et bien hier malgré malheureusement gen victime nan mitan population c'était occasion pour DG la police ça pa ka fè hein et bien gon groupe civil qui pote tête yo aller pour bandi massacre yo pour bandi touye yo nan l'idée peut-être pour Haïti te changer bien changement Haïti yon que yo prend responsabilité yo pour yo faire journée jodi an la parce que m'ap gade des séries de côté nan Canaran yo mette barricade yo monte mur avec roche mais hauteur yo monte mur en bloc mais hauteur nèg sa yo en vérité si la police pas décide mettre stratégie mettre tactique en place pour déloger gang nan m'ba garanti nan 6 mois nan seulement 6 mois zone rentre nan pays yon pa gen bagay sa pa existe parce que m'ap gade des séries de côté qui désert pa gen moun la dan ou pa wè pipirit c'est seulement bandi qui occupe zone non zone que bandi occupe on zone côté que population civile là yo évacué yo courir aller et puis pour elle fait me comprendre que nèg yo pa ka déloger gang pas de population civile, pas de question de dommage collatéral pral dim ou peur pour organisation droit moun pas réagir, pas riposter, etc. Pas de ça. Majorité moun sa yon tap gade yon. C'était moun l'église chérubé, moun l'église mako, c'était chérubé yon tap descend, yon pas de jeune résistance dans tout route là jusqu'à ce que yon al tombe sou embuscade nèg Canaran yon. Et gon lot bagay qui est extrêmement important. Malgré gon paquet de journalistes sur réseau qui a fait un travail d'information pour aider nous à être informés, on pas qu'être reporter. Mais bon, dou, pendant que nous avons le public, le peuple haïtien, la population informée, mais bandi yo sous réseau à tout. Bandi yo sous réseau à tout. Yo a suivi parcours tout le moun yo a marché au Canaran, yo pral yo pape, yo ceci, yo pral faire cela. Eh bien, bandi yo même li évident que yo en bas la vie, yo a tendu. Yo a préparé un buscade pour moun yo. Donc nous un risque métier pendant que nous faisons un travail de formation mais ça tout il servi bandian bandian utilisé nèg examen utilisé métier journaliste son métier à double tranchant et il extrêmement important pour qu'on ait que gien pile risque je ne jodi c'est très regrettable c'est très regrettable pour regarder quantité haïtien qui tombé pour voir l'état pas dire rien ou pas réagir yo pas réagi et li évident que ça passé hier Canaran li plus rangé causé pouvoir l'état que n'importe l'autre monde donc qui ça qui doit faire qui ça qui ka fait et nan moment là si nous préparons révolution vraie révolution faut que nous mettez dans tête nous c'est pas ni roche ni bâton révolution nous voulons faire contre bandi yo faut que nous gen zam nan men nous pour nous défendre tête nous contre gang yo faut que nous gen zam nan men nous pour nous défendre tête nous contre bandi yo ça pas rien doute sur lui et l'autre bagaille nan moment là côté que bandi a marché sous fiel population hein? Nous connaissons dans pays yon genye deux forces genye FADH force la médaille avec PNH
En plus, le monde est surtout nous, ouais, moun et Kafoufeyo, à plusieurs reprises, yo débarqué dans la base la meilleure, yo dit, yo vin chercher militaire, yo pour aller toquer quoi avec bandi, pour arriver à rétablir la sécurité, et pour moun sa yo arriver à rentrer la caille. Je ne dis pas, c'est qui ça qui empêche que soldats la médaille ont intervenu? Qui ça qui empêche que l'état-major la médaille ont intervenu dans la question et sécurité? Qui ça qui empêche? Est-ce que c'est l'ordre qui n'a pas joué? Est-ce que c'est matériel qui n'a pas gagné? Et nous connaissons près de 2000 soldats là qui dans le pays, qui dans le FADH, qui sont parés pour troquer qu'on a bandi. Qui ça qui empêche toujours? Nous prenons un parler avec Jean-Antoine Ornéus et militaire l'ami d'Haïti. Nous allons parler de problèmes l'ami a confronté dans ce moment-là. Qui ça qui empêche que les militaires ont déployé une autorisation pour sécuriser le pays, pour porter secours, assistance avec moun sa yo ki nan situation difficile côté bandi a pas terrorisé yo. Et déjà m'a invité au partager émission, partager vidéo, et parce que ça pral di la avec Jean-Antoine Ornéus, ça pral di la avec militaire, faut ou konnen le faut plus moun au courant de lui. Je m'ai annoncé les bien dans émission aujourd'hui là, n'a pour recevoir et des invités pour nous parler avec eux sous problème paysan, sous problème insécurité, pour nous faire le point sous divers problèmes qu'a brassé mille société. Nous allons parler avec monsieur Jean-Antoine Ornéus qui lui-même c'est ancien militaire qui est rentré dans l'armée d'Haïti dans l'année 1981 qui était occupé en statut dans l'armée comme archiviste, comme clerc. Et bien, je dis là, nous prenons parler avec M. Ornéus sous problème insécurité dans le pays et sous rôle l'armée a supposé jouer dans la question insécurité, sous mise à l'écart l'armée d'Haïti et par rapport avec problème qui a passé dans le pays. Déjà, ma petite M. Ornéus, bonsoir et bienvenue dans l'émission Mon éditorial avec Yannick. Yannick, bonsoir et bonjour avec tout l'autre monde qui a attendu nous dans différents côtés sur la planète là, qui a attendu l'émission et mon éditorial avec Yannick, qui moi-même personnellement, moi-même attendais. Non, pas moi, c'est Jean-Antoine Ornéus, moi, c'est ancien membre des amis d'Haïti. Nous pourrons parler un peu de ça, nous connaissons et comment le problème y aurait au niveau de la sécurité nationale. Bien. Monsieur Ornéus, actuellement là, pays d'Haïti a fait face avec une insécurité galopante. Si nous avons dit que nous avons créé une insécurité qui est vraiment, vraiment enragée, côté mouna mouri papi le papaket, pouvoir l'État, autorité l'État, c'est comme si vous mettez l'armée d'Haïti à l'écart. Ou même personnellement, en tant qu'ancien membre force l'armée d'Haïti, ça a passé jodi en un pays là côté que l'homme n'est pas intervenu directement, qui ça dit ou personnellement? Oui, m'kwè majorité membres force armée d'Haïti qui dit au pays a peut-être qui en dans pays a tout qui a souffert de ça qui a passé a. Et il y a pile question qui vient joindre moi, il y a pile question nous débattons entre nous anciens frères yo à travers les réseaux sociaux, information qui vient joindre nous. Force armée d'Haïti qui réhabilite sous champ de basse là après démobilisation dans les années 1994 et yo là yo pas réagi parce que l'armée a son institution qui marchait avec l'ordre. Okay. Et il y a des principes tout qui régit l'armée militaire, c'est l'ordre pour Bali. Et ça à partir de l'ordre du pour faire des plans d'exécution et pour être capable de vivre dans n'importe décision qu'il prend pour aider la nation à sortir, spécialement dans ce qui a passé là dans le niveau sécurité nationale. Parce que nous ne parlons pas de sécurité publique, parce que la sécurité publique relève de la police nationale. Mais sécurité nationale, défense pays, c'est dans la mienne. Déjà, la mienne a remobilisé, il y a un pile problème là-dedans, parce qu'il y a un pile monde qui était contesté, spécialement parlementaire, qui était dans le Parlement. Ce n'est pas
tout qui était embrassé, les pas, ça vient de faire que ancien défunt, regretté mémoire, président Jovenel Moïse, remobiliser l'armée après la première démarche Michel Martelly, ancien président, a fait. Mais elle a fait avec un pile faiblesse parce qu'il n'a pas de support, un pile autorité dans la société, et spécialement parlementaire, pas de support. Et pour ça, tu as fait avec force, ça te permet que yo réintégrer un certain officier dans l'armée. Mais officier, ça, yo yo une capacité pas, yo mais il n'y a pas de grands talents vraiment dans le niveau terrain, parce que la majorité de nous, nous connaissons officiers qui ont un PLCO ou AOTI, ou avec des officiers d'administration. Okay. Dans l'état-major, il n'y a pas d'infanterie. Ça veut dire que l'infanterie, c'est officier qui est entraîné pour bataille, qui est capable de former des groupes monde pour bataille. Il y a deux types de bataille. Bataille qui fait, ou a fait avec Monsieur Katsama Ozo qui est en pleine du Kildesak, il y a une formule qui est utilisée pour eux. Bataille a fait avec Monsieur Izo et les hommes du Tilapli. Ça, c'est des combats de ville qui sont utilisés dans l'armée qui ont l'autre formule. Et il y a des matériels qui n'ont pas gagné. Et dans le niveau armement, il n'y a pas de armes, il n'y a pas de munitions. Et il y a un autre gros problème tout, ancien ont commencé à agir. Parce que jeunes garçons qui ont entraîné, qui ont travaillé, ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas sous champ d'entraînement, ils n'ont pas fait manœuvre militaire vraiment. Parce que pour j'en entendre, ça vous prend là, ils font manœuvre militaire. Qui ça manœuvre là? Monsieur Onéus, avant de continuer, avant de faire un détail sur ça qui manœuvre, l'on parle que l'état-major, mais majorité ou bien tout le monde ou bien majorité moun qui constitue le CDO à des officiers administratifs. Est-ce que ça veut dire couramment que moun sa yo pas en mesure pour yo dresser yo plan stratégique ou bien plan tactique véritablement pour yo dire yo pral mettre pied à terre pour yo passer l'autre pour une réelle bataille qui fait qui capote résultat contre problème insécurité à contre bandi yo? Oui, ça la donne. Parce que yo pas en mesure. Parce que administrativement, yo capable. Mais quand on parle, l'on parle de tactique et pour affronter monsieur yo, yo pas ou yon la da yo qui capable de commander et yon peloton de sous champ de bataille. Parce que pour aller sous champ de bataille, officier supérieur yo, yo de choisir la dan yo. Quand on a ça, on ne sait pas qui laisse yon nommer comme G3 responsable de l'entraînement des troupes là. Entraînement état-major là, mais il y a deux points de G3. On parle un livre, yon donné qui parlait du G3 qui est responsable entraînement, qui ça yon fait comme entraînement et qui répétition tout yon fait comme entraînement. Parce que nous-mêmes qui là comme haïtiens, nous avons connu que y a pas entraîné. Et il a entraîné pour n'importe quelle éventualité pour faire face avec lui. Nous pas qu'à voir soldats aller sous champ de bataille sans qu'ils soient pas entraîné. Nous pas connaître qui niveau de force yo. Et ça permet que pour arriver dans manœuvre militaire capable prouver ou endurance yo dans faire manœuvre et parcours yo yo capable utiliser des tactique pour faire manœuvre et il y a différents types de manœuvres. Parce que moi, je dis, les 400 Marozo qui sont en plein du Kildesak, et l'autre qui est dans la Timonite, qui est dans sa vie, ont une formule de bataille pour eux, qui est différent avec ça qui est dans la ville de Port-au-Prince, qui est au sein de la population haïtienne. Okay. Maintenant, monsieur Onéus, si on a constaté, par exemple, à plusieurs reprises, il y a différents groupes. Et militaires qui quittent Haïti, qui ont pris formation, qui a l'Équateur, qui a la Colombie, qui a pris formation. Est-ce que vous pensez, jeune femme ça, jeune garçon ça, qui a pris formation, qui retourne en Haïti, est-ce que vous pensez, vous avez supposé reconsidérer l'état-major avec Mounsayo
ou bien moun sa yo yo ap seulement rete là non l'armée et cetera pour former l'autre monde. Est-ce que le patap important pour gagner en restructuration qui fait en dedans au état major l'armée avec jeunes sa yo qui t'a la formation dans l'autre pays? Absolument. État major a vieilli. Comme dans l'armée, il y a des formules qui utilisent l'état-major parce que dans tant longtemps et plusieurs autres pays, il y a des types d'état-major. Et il y a plusieurs même. Qui état-major consultatif là, ou capable de toujours servir avec yo comme yon. Gramounio. Et Gramounio parce qu'il y a une expérience, il y a des bagages qui yon connaît. Et yon bagage trop intérêt ou parce qu'il n'y a pas besoin de richesse encore. État-major qui doit être actif ou capable réformer et l'autre là d'ailleurs et bien pile dans militaire qui New York qui pas aussi vieilli parce que ça et réalité sur ce décrit ça qu'a étudié ça qu'a pour formation à l'étranger bon problème là dedans faut les retourner sur terrain et réadapter parce que l'oral prend formation militaire Mexique parce que bon mais au saut dans ton pays qui déjà une structure qui a marché ou a senti bien la donne que l'arrivée en Haïti, réalité a pas même. Population a pas même. Société a pas même. Homme d'affaires, politiciens a pas même. Parce que c'est une logique qu'on est. Politiciens, c'est eux qui baillent le temps pour toute bagaille faite. Parce que politiciens importants n'ont bénéficié pour pays a marché bien. Ça veut dire que vous n'avez pas qu'un politicien équateur, un politicien mexicain, un politicien américain, un politicien israélien, pour qu'on ait ou pour le mettre en face un politicien haïtien qui pague ça, l'amour de la patrie. Parce que pour faire l'armée, il faut avoir l'amour, il faut qu'on ait importance le sol national. Ça veut dire que vous devez retourner vraiment, mais c'est pour continuer le travail. Et puis, garder l'évolution de la société qui vous permet la mise à capable efficace. Et, puis, vos problèmes, dans vos problèmes, nous devons parler de lui. C'est le problème de l'argent. Ou pas gagner matériel adéquat. Quand il y a la mise à former, les changer. La mise qui te gagne avant 1994, si c'est l'ou pour l'appliquer là, ou pas de résultat. Parce que Kounia, yo servi avec drone, yo servi avec drone pour faire éclairer, pour aller garder, pour faire photographier ou cartographier. Et drone n'a qu'à servir comme un outil de combat. Ça crée canarin hier là. Si c'était un bagage qui t'a fait, côté yo, monsieur, je ne vais pas l'affronter parce que yo gen des âmes qui sont lourdes et yo caché dans un paquet de bout de béton. C'est drone, c'est hélicoptère, c'est ça. Ça veut dire que l'argent important dans la décision pour la mère. Est-ce que nous connaissons le budget de la mère? Nous ne connaissons pas. Est-ce que le budget a délivré? Nous ne connaissons pas. Est-ce que le général Lesay bail détail? Est-ce que un journaliste, tant que gros journal, les nouvellistes, posent général la question? Il y aurait une petite boîte fermée. Et puis, ce n'est pas comme ça qu'on fait dans le monde. C'est dommage. Monsieur Onéus, dans le commencement intervention, vous parlez que l'armée, c'est une institution qui est vraiment structurée. Il y a l'ordre là-dedans. Est-ce que selon vous-même, le fait que, l'armée n'est pas arrivée intervenue pour résoudre le problème de sécurité, est-ce que c'est un manque de volonté et formel, flagrant, qui gagne pas bon côté pouvoir en place, pas bon côté premier ministre Ariel Henry, et pas bon côté ministre défense, et pour yon agir. Parce que l'un a gardé véritablement dans le dos Ariel, dans la sécurité Ariel, l'Ariel a déplacé, gagné des soldats qui accompagnent. Est-ce que c'est un manque de volonté qui gagne pour yon mettre pour soldats ou mettre pour yon à terre, pour militaires ou mettre pour yon à terre, pour yon défendre moun sa yon population qui en difficulté dans ce moment-là? Bon, l'on parle de volonté, nous allons regarder le niveau volonté. Parce que l'état-major, il n'a pas fait sortir de notre presse pour dire que il n'a pas joué l'ordre dans le ministre de la Défense.
Et directeur général de défense là, qui colonel Daniel, son officier au atou, son ingénieur qui est lié, si on sorti au trou du nord, li pas sorti aucune information pour dire techniquement, mais ça m'a demandé, mais ça a proposé ministre de défense. Parce que ministre de défense, ils sont techniciens. Okay. Yo même, c'est pour dire, mais ça nous demandé, mais ça nous voulait. Mais sa situation, parce que j'en ai un problème dans y a. Ce problème n'a pas grave parce que ça vrai. Problème n'a pas grave. Haïti, non, pas grave parce que ça. C'est volonté on dit qui problème là. C'est pas de volonté, parce que c'est Mexico. Haïti sont un pays qui a des villes stratégiques là-dedans. Un, c'est celle Mion Balé dans le pays d'Haïti qui a 4 entrées là-dedans. Qui a des Belader, des Hinch, des Sodo, des rentrées et pas Port-au-Prince. Après ça, toute ville dans le pays a net une seule entrée. Quelle de Jérémy, quelle de Okaï, quelle de Jacmel, quelle de Fort Liberté, quelle de Waname. Avec autour du nord qui vient deux. Ça veut majorité ville dans le pays a qui ont seule entrée. Pour quelle raison ils n'ont pas mis des postes de contrôle strictement avec des officiers et des policiers qualifiés, supervisés pour diminuer le flot de munitions qui a rentré dans le pays à passer. Comprendre bien son pays qui a un paquet de frontières du en sapitre à Berre de Mancini, en sapitre dans le département du nord-est, du nord, du sud-est, et au Guéien, Berre de Mancini qui est dans le nord-est, à côté de Rac Meillac, Fort Liberté. Mais bordel en mer, ça, qui est capable de bailler opportunité avec des voiliers, des bâtiments pour approvisionner des gangsters pour sécurité pays, mais majorité cas débarcation qu'a fait sous la mer, mais il prend à terre quand même pour arriver dans mes gangs. Mais ça veut dire que gagnons possibilité volonté si on t'a voulu vraiment diminuer flot de munitions capable provisionner gangs. Bon, jusque là je d'accord avec vous, ça c'est les et monsieur bandi yo nèg bandi yo a fait approvisionnement yo et par exemple nan si nou pran pays voisin nou République Dominicaine si nou ta di nou ta considéré hypothèse que zam munition a sorti là ou bien et a sorti par exemple nan l'autre pays Jamaïque etc. pou ta vinn jwenn yo mais gòn lòt bagay nou ka considéré monsieur Onéus parce que bandi yo c'est comme si l'on prend un groupe ISO li nan rentré et sud pays. Nèg sa yo à un certain moment ont contrôlé périmètre et bicentenaire, mais kounye a nèg yo utilisé l'autre tactique l'autre et l'autre stratégie. Non seulement gagné et nèg nan secteur privé qui a fait zam rentré, bal rentré, vin alimenté yo, des politiciens qui a alimenté yo tout et ça tout dossier sa yo. Yo dossier dans DCPJ, dossier dans ministère de la justice pas suivi qui fait sou yo mais kounye a nèg yo utilisé l'autre stratégie bandi an li kanon point a li gen allié li gen ramification li gen l'autre moun non point b non point c qui a yo a coordonné ensemble yo a fait zak criminel yo ensemble yo a planifié kidnapping yo ensemble. Mais tout bandi sa yo, tout structure, groupe criminel sa yo, yo dans pays, yo dans divers départements de pays, yo connaît, c'est pas comme si bandi yon l'ap sorti non l'autre et non l'autre pays rentré pour yo vin balay. Yo connaît yo sous place. Qui ça qui empêche gen intervention qui fait? Qui ça qui empêche que l'armée intervenue? Qui ça qui empêche que état-major l'enjoigne l'ordre? Parce que l'homme prend, l'homme a considéré, mon petit Jean-Jean avec question, mais l'homme a considéré. Comment est-ce que vous mettez parler?
intervention et major et dimanche 5 février quand elle te dit si li joine un char d'assaut si li joine des plusieurs véhicules et d'assaut etc si li joine d'ici le jeune date dans 2 semaines seulement yo ka résoudre question gang nan dedans pays hein. Depuis 2022 ça depuis 2022 ça li te fait déclaration jouk nan moment n'a parlé a pas jamais rien qui fait selon ou même qui ça qui kembe monsieur ça toujours dans état major l'armée alors que pouvoir réel montrer pas une volonté réelle pour accompagner au militaire et de point de vue matériel qui ça qui kembe toujours. Premièrement, on fait une approche qui est très important. Son petit calme pays tout le monde contre tout le monde. Évidemment. La justice pas là. Tout le monde connaît moun k'ap bay katouche en dan pays. Projectil yo, yo kon origine yo. Manufacture qui fait projectil qui allait en Afrique yo, yo gen des numéros sou yo qui identifié dans qui usine yo fait. So ek ala na Haiti yo, yo tout le monde connaît dans qui usine yo fait. Tout le monde connaît qui moun ka l'acheter yo. Excusez-moi. Te mou reprense am diya. Moun ki dwe konen ki moun ka l'achete yo. Yo konen ki moun ki distribuye yo. Pa gen volonté pou yo arrete moun sa. Pa gen volonté pou yo defere moun so devan la justice pou yo paye pou sa yo fè peyi ya. Rezon an sep, pase pouvoir politik la se pou yo liye. Et le ou ge pouvoir politique la nan men yo, pouvoir judiciaire vin nan men yo, monsieur officier ou même kap joué rôle état-major ou bien sous-officier ou bien moins gradé ou bien officier subalterne, yo analyse tout. Pour yo ta rapporté by ministre intérieur gen pour faire suivi avec premier ministre la et son équipe. Et puis on rivé sous monsieur pour mettre en état de nuit, mettre en prison, faire payer amende et puis avilio sous monde international là. Mais yo pas ka faire parce que raison simple pouvoir politique là qui gagne là-dedans une association de malfaiteurs pas gain volonté parce que il y a 2 postes importants que me dire. Directeur général la police là document final qui pourrait aller dans toute distribution juridiction yo c'est lui pour signer yo et c'est lui qui pour approuver yo dit approbation document qui sorti dans main état-major l'armée qui clair préparé administrativement pour la main ministre intérieur pour la main premier ministre là yo passé dans main pouvoir politique là qui monsieur et m'pas fin son génome parce que monsieur ministre intérieur son docteur qui lié et en partir de là en Haïti ça oui parce que le ministre bon ouais bon parce que m'pas même songer si monsieur a tout job ça parce que son gros job lié collectivité territoriale ministre intérieur c'est gros affaire ça veut dire que tout ça au service des obstacles pour avancer sur monsieur yo. Parce que le ministre intérieur il y a des renseignements de tous 10 départements en amène qui doivent venir joindre chaque matin. Il y a donné monsieur Lamio qui doivent venir joindre rapport et journalier ou bien par semaine ou bien rapport mensuel yo. Moi-même pas connais ou moi pas connais mais moi connais yo faire parce que c'est du job yo lié directeur général la police a tout staff yo gen des rapports pour yo bay rapport journalier état de lieu pays a comment lever le matin état de lieu pour semaine rapport mensuel yo li gen ça yo bay avec journaliste yo et li gen ça pour yo bay et premier ministre la, tout cabinet ça veut dire que sou garde donné yo. Yo pa bon et yo nan pi bon bagay monsieur fait comme coquin. Yo gen 2 ans après l'assassinat de l'ancien président, retenez mémoire m toujours dit. Yo pa jamais ba yon conférence de presse pour yo prendre 10 questions dans aucun journaliste.
Est-ce qu'on connaît, yon te rencontre la presse yon jour pour la presse poser des questions appropriées pour ni mwen ni ou connaît qui rapport yon te recevoir? Relé jodi comme journaliste, mandé colonel Lesage ou bien général Lesage, mandé directeur de la police là, rapport qui passait à Canaran hier là. Est-ce qu'on a suivi? Est-ce qu'il y a bon conférence de presse? Est-ce que qui s'est tout le monde a parlé des pasteurs. Pasteurs, mais pasteurs à son simple. Pasteur qui peut-être un idiot ou bien peut-être un monde fou. Parce que c'est la faute. Mais vous prenez le monde qui est responsable dans le pays. Vous prenez le monde qui a touché depuis un agent, un police là arrivé jusqu'à directeur général. Vous prenez le monde qui là depuis des 7 soldats arrivés, chef d'état-major général. Vous prenez le fonctionnaire au niveau de la justice. Vous prenez pas quel fonctionnaire au ministère de l'Intérieur, des collectivités territoriales. Rapport du jour, nous n'avons pas accès à elle. Nous ne savons pas comment l'écrit. Parce que une phrase. Dans un rapport changer tout en données. Tout ça veut dire que nous croyons que pas de volonté, pas de capacité, et on a des problèmes dans l'armée internationale. International, on pile problème par la vie, et cas d'Haïti à son cas, ou pas même, il y a un joueur de Simone, et moi-même, pour me prendre responsabilité, pour me dire, résoudre problème à Haïti, a pas difficile. Qui s'allie? Léon chef pas aucun compromis avec aucun monde, l'el commandé tout le monde doit être exécuté. Principe yon utilisé dans l'armée, yon dit suivre commandant habillement, comportement, commandement, et puis tout le monde à vos ordres. Parce qu'il n'est pas prêté la jeune amour, il n'est pas brassé comme avant, il n'est pas joué à avant, il n'est pas brûlé à avant, il n'est pas dans la bamboche avant, l'élève a commandé, il a commandé. Eh bien, nous avons absence de commandement dans le pays d'Haïti. Comme si pas grand monde qui doit parler, et puis pour tout le monde dire autant. C'est pas facile, non? Monsieur. C'est un gros problème. Monsieur Anderson, nous prenons la dernière question pour nous finir. Et tout ça nous sommes évoqué là, nous avons considéré comme analyse. Mais je ne veux dire concrètement, qui ça ou estime que l'armée en a fait pour retirer le pays à côté de là? Est-ce que un et soldats ou militaires ont supposé et camper en rébellion pour forcer le pouvoir l'État à prendre des décisions pour permettre que vous intervenu? Par bon côté peuple, ou bien, et est-ce que j'en ai regardé bagay yo, j'en soldat yo commencé et à sécuriser rien là, est-ce que si yo montre yo rete campé à sécuriser, à continuer sécuriser rien, est-ce que c'est aveu au fait que yo nan camp moun sa yo qui a tout pizi et population, puisque nous est dernière humiliation que. Et premier ministre Ariel Henry saute bail la médaille ici là c'est fait et comité et délégation pays Kenya rentré en Haïti et on pas même invité une membre état-major l'armée qui ça concrètement l'armée est supposé faire selon vous même. Bon, on pose une question qui est importante en pile, c'est pas une question n'importe monde qui répond parce qu'il pas d'une émotion dans ça. Mitiné dans l'armée, c'est ça qui détruit une nation. Ou pas capable à le faire rebelle comme militaire parce que li mené nous côté nous là, c'est problème rébellion caserne de Saline qui fait nous perdre bataillon très fort ça qui un bataillon que moi même personnellement moi t'ai porté à cœur que me t'ai remé c'était nam pam. Nous perdre bataillon du corps des léopards qui ont l'autre bataillon que nous tirons mais apprécié en pile compatriotes amis promotion qui était la donne que nous perdre c'est mitinouya qui mettait nous là nous pas capable d'accord pour militer ou faire mitinerie faire rebel même ça moi même moi t'a proposé m'a souhaité état major à tout qui gagne chance dans démission retirer un certain des bagages yo gagne dans tête yo. Chita avec le directeur général ministère de l'Intérieur, qui est colonel Daniel. Chita avec le staff de Ariel Henry. D'abord, on a bien connu qui Ariel Henry. Ariel Henry, son moun yap mené. D'abord, son moun yap mené, international, son médecin,
qui peut-être capacité de penser le presque fini parce qu'il est capable de trouver le nom. Puis il y a nous Ariel là pour qu'on nous soit mon normal. Ariel qui a marché de cette livraison. Son robot. Moi, on s'en considère, excusez-moi de dire ça, son premier ministre, même le de facto, mais je me regrette moi de lui parce que nous le respect quand même. Avec tout ça, le fait pas bon dans la société. Yo doué citer avec et staff état major la police là, parce que pas qu'à écarter yo, parce que responsable de la sécurité publique. Même là où on pile fight, non yo, tout le monde connaît problème yo. Mais il y a des bons policiers, il y a des policiers connaît qui capable travail. D'abord dans état major la police là, me connaît quatre là deux, m'a cité non. Là d'ailleurs peut-être yo capable d'accord si t'es non yo même qu'à si t'es non Jean-Lionel Tressil son officier qui formé c'est un vrai policier parce qu'il formé à Chili les officiers que pas tant de parler de Lito qui c'est originaire de la Tibonite c'est monsieur Sagesse qui était sorti dans 35e compagnie des palais national et qui font longue carrière qui encore là non long passé. Et bon, ben l'autre jeune tout qui vient joindre tout capable de travailler. Si vous avez changé de données, c'est pour coordonner ensemble. Et je ne vais pas parler de ministre de justice, la madame Nation, pour être son écrivain qui parle tellement connaît tout. Bagaille. Parce que moi, je refuse de critiquer mon nom parce que les gens me connaissent déjà pas critiquer, je me sens que c'est pas bon. On fait corvée là, y'a. C'est corvée. Je ne vais pas parler de lui-même. Son job du Balkembe, peut-être, c'est Eronz Villa qui a mené. Mais il va même contre trop bagarre dans la justice. C'est Eronz Villa, ancien commissaire gouvernement, qui a mené avec toute l'autre équipe qui est cachée. Nous avons chuté ensemble pour définir une stratégie. Il n'y a pas besoin de chuter devant les Nations Unies. D'abord, les Nations Unies n'ont pas aucun côté de passer sur la tête, fait de bagarre, il fait bagarre qui bon. Exemple très clair, problème Israël avec Palestine, on ne peut pas jamais arriver avec le Conseil de sécurité de l'ONU, il y a une raison pour ça, parce que les Nations Unies ne parlent pas pour solutionner le problème. Parce que les Nations Unies, le job, c'est créer un emploi pour un paquet de l'armée pendant la guerre encore dans le monde. Parce que le paquet de pays, il faut le créer un côté pour le voyager, le travail pour le toucher. C'est ça, moi, tout le monde ne connaît pas, c'est le job, ça. Avec tout l'autre job que nous pas besoin d'énumérer. Je t'ai chuté ensemble avec tout et état-major, la police là, fait une grande réunion et avec état-major et l'AMEA, avec ministre qui est responsable, pour sortir en conclusion, pour connaître que l'évaluation, munitions que vous gagnez, si vous n'avez pas pour acheter, et qui ça a besoin, et combien de copies vous avez besoin pour acheter, et puis pour sortir avec un programme 1, 2, 3. Pour dire, mais nous avons commencé à partir de 1, 2, 3 pour nous arriver à éradiquer Ganyo. Sans oublier que éradiquer Ganyo, c'est une. Mais le pays a grand pile misère. Ça, c'est l'autre travail encore. La misère n'a pas résoudre tout autant. Il y a toute sécurité, problème ça y est. Dans le niveau sécurité, il y a un pile. Ou pas qu'à résoudre misère dans le commerce, dans l'investissement, tout l'autre bagaille, ça c'est mon économie, je suis capable de ça. Mais sécurité est important pour aller faire l'autre développement pour le peuple à vivre. Moi, quoi, si gestion ça, je t'ai souhaité ou faire, je t'ai souhaité, général Lesage, à toute équipe liée, t'as capable de faire une réunion d'urgence, rapide au presto, et puis proposer avec les journalistes, yo, bah, une conférence de presse pour nous dire, peuple à travers médias. Parce que yo pral parle, moun pa fè yo confiance encore. À travers question et après répondre, pour yo di, mais côté nou yé, mais côté nou pralé, mais côté nou vle aller. Et gen des officiers qui ka conçu, yo ka gen comme des consultants. Mouen ouè, colonel Ruby très présent, comme ils sont politiciens en même temps tout, parce que pas moun tellement fait confiance aux politiciens. Et gen l'autre officier, gen pile officier qui me connaît, si yo fè bon bagay, il y a besoin de la diaspora qui a servi comme des consultants sans payer. Parce que il y a des gens qui ont la diaspora qui ont besoin de toucher dans aucun monde en Haïti. Moi-même, personnellement, je n'ai pas besoin de payer parce que je n'ai pas besoin de job. Et puis, ça me fait l'argent encore tout là. Je finis comme ça. Je crois que je dois faire ça pour payer, pour rejeuner ça, pour disparaître. Et merci, merci, M. Arnéus. Et je suis content de parler de ça à nous faire.
et li évident et monsieur que gen anpil le monde qui apprend et de qui ça la médaille a mené de comment institution structure là divisé et qui ça selon ou même qui peut empêcher que qui empêcher non moment n'a parlé à la gen des décisions concrètes qui prend en dedans et FADH. C'est un véritable plaisir pour me te recevoir dans l'émission pour nous faire parler. M'espère à gagner l'autre occasion. Merci à vous-même, monsieur Henriouche, pour disponibilité. Merci Annick et m'salue avec tout auditeur auditrice ou yo qui toujours attendu moi-même moi toujours attendu tout moi écoute très loin pays mais pays a toujours dans cœur moi et moi que chaque haïtien a Haïti dans cœur tout côté yo. Bon courage, bon combat et yon nan bagay important dans la presse, nous même qui sur réseaux sociaux, nous sommes outils importants. Et même pas journaliste non, mais yon nan bagay qui me connaît dans média, nous toujours prêcher là avec tout l'autre monde qui voulait faire média, son âme qui vient de bon très filé, double tranchant. Le wap bay information, jou yo découvri ou bay mauvaise information, l'obral bay bon yo pas connaît. Bon courage, moi content d'entendre vous et puis moi féliciter vous. Bon travail, continuez à faire là parce que c'est bon travail qui est facile. Merci en pile et très bon dimanche à vous. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes fortis parler avec Jean-Antoine Ornéus. C'était Créole qui t'a parlé, mais espérons bien comprendre tout ça qui t'a dit. Et m'a profité remercier M. Ornéus pour disponibilité. Parce que tu as choisi parler de problèmes paysans, tu as choisi mettre sous table et ensemble de problèmes que l'homme d'Haïti a confronté dans ce moment-là. Donc, ou même qui a regardé la vidéo en tant qu'haïtien, il faut que je dise, et dans ce moment-là, il y a vraiment difficile. Haïti a sorti du amour. Dans ce moment-là, pays en tête en bas. Je ne sais pas si pouvoir l'État, Ariel, M. Dame Ariel, lui a fait un si yo wè moun ka viv nan Port-au-Prince, si yo konsidere Ayisyen tan kou kabrit yo la gen chien deye yo, parce que c'est ça mwen ka fèt la, tellement bandi gang yo réactivé, gen pil moun destination tête droite en province. Pil moun ap kite Port-au-Prince la nan moment pour yo aller dans des villes de province. N'ap tout profite voyon ti SOS by Muscadin. Gen pil moun ki ap pran paquet direction, sa yo pa gen fami, yo pa gen proche yo nan kek zon. Sou ta rencontre des séries de moun ki vini Miragwan, c'est des séries de moun ki pa gen zanmi, ki pa gen proche Miragwan, et avant ou réagi, pose yo ti question, parle avec yo, parce que nan moment la gen pil moun kap kite et Port-au-Prince, parce que insécurité a livré ma cheval. Et genyen Pasteur Marco, fidèle l'église et piscine Bethesda yo, qui décide offrir tête en holocauste pour yo te chercher bandi pour yo te libérer pays en bas même bandi en bas griffe bandi et bien nous connaît drame yo dans moment là n'a fait émission nous a recevoir un pile message gagne un bilan qui commencé augmenter gagne un bilan gagne quantité moun qui victime qui commencé augmenter nous gagne là yon bilan qui fait état de 30 moun qui tombé en bas bal bandi non pas connait si la plus toujours et d'ici après-midi an. Mais c'est ça lié dans le moment où on a parlé. C'est qui ça, gouvernement Ariel l'a décidé? Qui ça, monsieur Dame Ariel Henry, a décidé de prendre comme disposition pour freiner Vincent ça, pour freiner tuyau sans ça, cap couler? Nous pas connaît. Est-ce que Haïti gon ja? Est-ce que Haïti gon mine? Est-ce que Haïti gon bagay que nèg besoin dépouiller? C'est ça qui fait y'a touye, c'est ça qui fait y'a pousser do Haïti quitter pays, pousser do nou aller. Nous pas connaît. Nous là, n'a pas suivre. Moi ta renmen wè tout supporters zanmi fami émission rete safe rete sécurité m'a exhorté ou veye côté ou mete pyo konnen que Port-au-Prince fragile ou même qui nan diaspora ou gen proche ou gen zanmi ou gen fami en Haïti rale les oreilles yo pas sorti sans besoin si moun yo ka fon façon pour yo quitter Port-au-Prince et dégager regarder ça au café m'pa di moun yo rete peut-être ou ka di c'est bizarre que m'a di moun yo quitter Port-au-Prince pour qui ça pas camper goumen. Le nou goumè, le san nou koule, et pouvoir l'État fèl passe en vain parce que yo pa pran aucune disposition. Et nan moment, li préfère pou mete à l'abri pour être safe pour nous ka continuer et bataille. C'est ton véritable plaisir pour m'te avec vous. Mais avant m'aller, faut me rappeler une toute dernière fois projet rentrer l'école là, éducation. Sou pa konti adage ça,
râler plus ou maquil, l'éducation, c'est le passeport de l'avenir. Donc, ou même qui croit dans l'éducation, ou même qui croit dans mosso éducation, c'est éducation qui ka fait moun moun, c'est pas zam, c'est pas bandi légal, c'est pas corruption, c'est pas faire l'argent facile qui ka fait moun moun. Pas hésiter pour participer avec nous dans projet côté que année ça on le fait encore, nous voulons supporter parents ti moun qui pral l'école, acheter livre pour yo, acheter valise pour yo, acheter cahier avec l'autre équipement pour yo. Donc pour projet réaliser, moi même pour comme pas ka faire, c'est avec support contribution pour nous réaliser li. Donc pas hésiter rele m'écrire dans numéro émission pour dire Yannick mais qui ça on veut faire, mais qui ti moun nous voulons supporter, mais comment m'a supporter, mais combien ti moun, etc. Donc c'est à mon véritable plaisir pour me compter parmi moun année qui voulait contribuer, qui voulait porter nos concours dans le projet si là. Donc m'a quitté là dans l'émission pour aujourd'hui. On se pourquoi abonner, m'a invité à abonner à la chaîne là, pas hésiter, abonner, activer petite cloche notification et comme ça vous prêté connecté avec nous. Restez connecté avec plateforme là pour reste programmation. Merci tout le monde, à très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, ou et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, que chez Chanel parle pour qu'il bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons la balle et nous prenons le débat, c'est toujours même Yannick là, même voix.